L'enjeu du tournoi, clairement, c'est le développement de cette activité, qui est une activité qui manque un peu de visibilité. Donc on se doute qu'effectivement, en faisant un tournoi d'un niveau national, on va obtenir cette visibilité qui permettra d'accéder peut-être à des gens en situation de handicap qui ne pratiquent pas le sport. Vu qu'on est en siège roulant, ben, ça a l'air d'être assez dur. J'avais jamais vu avec un fauteuil roulant. J'ai trouvé ça intéressant, comment on se déplaçait. Mais quand on est handicapé, qu'on peut quand même faire du sport. Le tennis fauteuil est un sport hyper dynamique. On a plusieurs styles de pathologies, du paraplégique, des amputés ou d'autres handicaps. Mais le jeu est très rapide et donc ça reste du tennis, donc très tactique, donc très plaisant. On est au niveau des bénévoles et tout, ils sont hyper impliqués, ce qui fait que l'ambiance se ressent à tous les niveaux, restauration, tennis, hébergement. Donc c'est vraiment super top et à chaque fois, c'est un grand plaisir de revenir et j'espère revenir l'année prochaine.